allons procéder we are going to proceed au lever des couleurs. To the rise of pure colors. Très heureux de vous recevoir. Et tu peux l'exprimer en anglais tout à l'heure, ça. Ouais, oui, j'ai entendu, mais je mets un peu les commentaires sur la barre de quoi. Voilà. Et donc, il est ouvert, Marc, tu lui dis qu'il est ouvert pour toutes ces propositions par rapport au site qu'il y a à La Rochelle. L'avant-première. Ah, bon, ah, d'accord. Avant New York, Los Angeles. C'est vrai. Ça sera La Rochelle. D'accord. Elle a officialisé le truc. Donc c'est un. On ne se rend pas compte de l'ampleur du truc, mais c'est. Ça sera quand? Quelle période? Je ne sais pas. Le tournage va être juin 2022. Voilà. 80% du film est tourné en France, donc sur notre région. 20% est tourné aux États-Unis. Il y a une résonance contemporaine aux États-Unis dans le film. Donc ils vont commencer par les 20% aux États-Unis au mois de mai, et ensuite ils viennent à partir de fin mai, début juin. Et ça jusqu'à fin juin. Alors ça reste sur 6 semaines, deux dernières semaines de mai et les 4 semaines du mois de juin. D'accord. 6 semaines. 6 weeks here in 6 semaines ici en France. À 75% du film qui va être en France et le reste à Atlanta, aux États-Unis. Parce qu'en fait, Atlanta devient un nouveau Hollywood. Et elle est en place à Atlanta. Elle, c'est Dream Empire, c'est la PDG de Dream Empire. Ouais. Et comme je disais, ils vont tourner 75% du film ici. Et ici, normalement, ils devaient aller en Normandie. Parce que nous, on a retraduit le scénario en américain, en français. D'accord. Et donc, avec mon... Vous, c'est... Alors, c'est 18 Productions. Voilà. Ça, 18 Productions, c'est une société que j'ai montée avec mon ami Marc Kulling, qui est un ami d'enfance. Et donc, pour monter mon film avec Marc, dans l'île de Ré, là, on s'est aperçu que c'était très compliqué. On n'est pas pris au sérieux parce qu'on est des gens atypiques, on vient pas du monde du cinéma. On a décroché la sloquette parce que mon associé Marc, en fait, pour se perfectionner, moi, j'ai des lacunes en anglais, donc lui, il est très bon en anglais. À nous deux, on se complète. Il fait un masterclass aux États-Unis. Donc il est en contact souvent sur LinkedIn et avec plein d'Américains. Il a découvert notre photo au Festival de Cannes. Donc elle nous a contactés. Et nous, on ne savait pas que c'était la PDG de Dream Empire. On pensait que c'était une scénariste quoi, qui nous demandait du boulot. Et donc on a dit, écoute, on va faire ça. Et quand moi j'ai lu le script, parce qu'on fait tout à deux avec Marc, j'ai vu qu'il devait aller en Normandie. Et moi j'ai dit, pop, moi je suis l'île de Ré, La Rochelle, c'est une ville culturelle, on va tenter le coup. Et on a monté un dossier complet en disant qu'il y a eu Le Jour le plus long, qu'il y a eu Das Boot, et il y a eu plein de films. Mais pour les Américains, l'île de Ré, La Rochelle, c'est rien, c'est nada quoi. Et donc, sur la carte, voilà, on a monté un gros dossier. Je me suis rapproché de Patrice Raffarin, que je connais très bien. C'est le maire de ma commune. Et on a contacté les acteurs économiques de La Rochelle, mais tout le monde était... ils m'ont dit que ouais, ils viendront pas. Enfin, ils n'étaient pas sûrs qu'ils étaient capables de... La cerise sur le gâteau, c'est qu'on essaye de faire un tournage au site de Carola. C'est un site emblématique de l'île de Ré. Ouais. Et là, on essaye de le mettre, comme nous, on est scénariste, on essaye d'influencer un petit peu Joyce pour qu'elle... Et mettre en image cette histoire, enfin, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. C'est Carola, qui parle beaucoup aux Américains, ceux qui ont fait la guerre et tout, ils savent exactement ce que c'est Carola. Exactly. That's why. Et ouais, c'est important. Enfin, je veux pas changer votre film, mais... I think we should do it. I like it.
I think we should do it. Je pense que c'est... Et on a validé aussi le monument aux morts de la Quarde, qui est un monument aux morts avec toute une histoire. Avec l'aigle, ouais. Et elle m'a validé hier que c'était OK pour le monument aux morts avec l'aigle nadi en dessous. Et ça, une raison que Joyce et moi on ignore, le courant est passé tout de suite et elle m'a rapidement parlé de son projet. Et David m'a dit, bah, écoute, on est sur le point de créer une société de production, proposons-leur de faire la production exécutive, et les choses se sont enchaînées. Voilà, d'accord. Pour le moment, on est producteur exécutif officiellement. D'accord. Et donc, une des premières décisions qu'on a été amené à prendre, enfin à leur faire prendre du moins, c'est de venir tourner ici, sur l'île de Ré et à La Rochelle, plutôt qu'en Normandie, qui était le spot qu'ils avaient choisi au départ. Tell me about this story. The Lost Locket. Absolutely. The story of The Lost Locket is a love story between a black woman who is serving abroad in the U.S. military. She falls in love with a white soldier, which, as you know, was very forbidden back during World War II. The U.S. military, although we were fighting abroad for freedom, we were fighting for justice, we were fighting for equality for the world, and for Hitler to stop what he was doing, which was killing the Jews due to racism. But we were still racist ourselves as Americans. We came here, the military was segregated, it was forbidden for a black woman to date a white man. So in this story, we have a parallel universe of the same woman in modern times falling in love with the same man. She time travels back and lives the life of this nurse during World War II and meets the same man, falls in love with him, and they have a forbidden romance. So we see the parallel between the two worlds, and we see that there has been some change in modern day, but not enough. So it's really a beautiful love story with a beautiful ending, and it really just shows us that we are one race, and that is human race, and we are all human and God's children. So a beautiful story with a beautiful message, and there's no better place than to film it here in La Rochelle. Parce que les États-Unis nous ont sauvés quand même de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est une manière élégante de leur montrer que non, nous ne sommes pas racistes et qu'on est tous et qu'on n'a pas oublié non plus la libération. Exactement. Ouais.